Bonsoir à tous et bienvenue dans OPS, son paquet de cinéma, l'émission qui parle de tous les cinémas. Au programme, des films, des interviews, des débats autour du cinéma avec des invités. Et notre invité ce soir, IB Endow, qui est de passage en Guadeloupe et qui est distributrice de films chez Soudou Connexion, dont la particularité est la vente et la distribution de films africains. C'est bien cela ? D'Afrique et afro-diasporique. Et afro-diasporique. Afro-diasporique, ça couvre donc la Caraïbe, essentiellement. Globalement, tous les endroits où il pourrait y avoir la diaspora noire. Donc effectivement, la Caraïbe, mais aussi l'Amérique, le Brésil, la Colombie, la France, l'Espagne. Chez les États-Unis, etc. Exactement. Voilà. Au Canada, là où il y a des populations noires qui font du cinéma. Très bien. Très bien, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans l'émission Paquet de cinéma. Merci. Pour décortiquer, analyser, débattre de tous les cinémas, nos chroniqueurs et ce soir avec nous, Guillaume Robillard, docteur en études cinématographiques. Bonsoir Guillaume, tout se passe bien ? Bonsoir Daniel, impeccable. Impeccable. Vrai dire. Voilà. Avec nous aussi Régis Marton, qui n'en finit pas de boire son café. Régis Marton, critique cinéma. Café ? Non, ça ira. Après l'émission peut-être, mais pas pendant l'émission. Jamais pendant l'émission. Non, ça va, merci. What else? Bon. Très bien. Et aussi avec nous la nouvelle venue, Axel Laurent. Bonsoir, Axel. Bonsoir. Axel, qui est titulaire d'une licence en art du spectacle obtenue à l'Université Paris 11 de Nanterre. Paris 10. C'est ça. J'ai dit Paris 11. Paris 10. Donc, bienvenue et merci d'être présente, en tout cas, dans cette émission. Et on va enchaîner en lançant un coup de projecteur sur l'univers de l'animation avec Régis, un film qui croule et qui coule ou qui coule sous les récompenses internationales. J'espère qu'il ne coule pas, vu toutes les récompenses qu'il a. Mais bon, c'est sûr qu'il croule dessus. C'est sûr qu'il Mais j'espère que le bateau ne va pas couler quand même. Le bateau, c'est un lien. Voilà. C'est un lien en plus avec un des films de notre réalisateur martiniquais, qui s'appelle Alain Bidard et qui a réalisé un film en 2021, qui s'appelle Opal. Opal, qui est en gros, le pitch du film, c'est que on a la princesse Opal qui vit dans un royaume qui est géré par sa magie et ses émotions. Le truc, c'est que depuis certains temps, la princesse Opal est triste et que ça change le climat dans le royaume. Le truc, c'est que le film va s'axer sur savoir pourquoi la princesse est triste. Et nous allons voir une bonne annonce maintenant. Magneto. Voilà, donc c'était la bande-annonce de Opal, un film réalisé donc par Alain Bidard, le Martinique Alain Bidard, et qui a un parcours assez particulier, Régis. Oui et non, c'est en fait le parcours de n'importe quel jeune antillais rempli d'espoir qui, bercé par les séries d'animation japonaises, a décidé de faire des études dans l'animation, plus précisément l'animation 3D. Il a donc fait des études en région, en France, je sais pas, pour ne pas dire de bêtises. Et il a décidé de revenir en Martinique dans l'espoir de retourner là-bas, ce qui n'a pas été possible. Mais il faut dire que ça a été pour notre plus grand bonheur, parce qu'il a quand même développé à lui seul un style particulier qui est reconnu de par le monde, parce qu'il a quand même fait un film, une série d'animation, quelques courts-métrages. Toujours dans l'animation, toujours dans l'animation. Qui sont reconnus dans le monde. Bon, peut-être pas aux Antilles, malheureusement, mais nous allons voir ça tout de suite avec l'interview. Alain Bidard pour En Paquet de Cinéma. Je suis un réalisateur de films d'animation
issu de la Martinique. Je fais des films d'animation depuis bientôt 20, 22, 23 ans. J'ai grandi avec des dessins animés, je n'ai jamais vu la Martinique mentionnée et j'avais envie de changer ça. Ça pourrait aussi nous mettre dans des positionnements qui pourraient nous questionner. On n'a jamais été représenté dans la science-fiction et ça se ressent dans la vie de tous les jours puisqu'en fait, on a du mal à se projeter dans le futur. C'est un peu de la revendication, oui. Notre culture, c'est une autre culture, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans la pop culture, mais c'est une culture qui est forte, c'est une culture qui certes est fière, mais qui a des raisons d'être fière. Opal est venu d'une situation assez particulière. Il y a eu un prix, donc le prix du meilleur long métrage d'animation au festival Animé Caribé de Trinidad et Tobago. Du déclic, ça a été le traitement de l'actualité durant l'affaire d'Outreau. Je voulais vraiment retourner dans cet univers-là, donc pour pouvoir en fait montrer ce cheminement. Ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit d'une personne en fait qui vit l'inceste et j'ai été surpris en fait par la façon dont l'enfant est représenté et la façon dont l'enfant est sexualisé dans l'art. L'idée c'était d'utiliser l'animation pour pouvoir en fait montrer aux gens ce qui se passe à l'intérieur en tentant de matérialiser cette douleur. La nature traumatique du film était suffisante pour pouvoir ne pas être montrée aux enfants. En 2019, j'ai eu l'idée de travailler sur un scénario, sur un film où le public jeune percevrait une histoire et le public adulte percevrait une autre histoire. Donc, ouais, alors une interview très, très enrichissante, en tout cas très riche en information de ce que nous a donné Alain Bidard, oui, sur son travail et sur la façon dont le film a été reçu. Le style d'Alain Bidard est déjà particulier parce que déjà, comme on a pu voir, si on a vu Battle Dream, c'est toujours un mélange entre culture africaine et puis culture européenne, mm-hmm. que ce soit dans l'architecture, ce mm-hmm. qui est très marqué dedans, mais aussi la femme forte, ce qui est aussi l'un de ses thèmes récurrents. C'est un film qui dure quand même près d'une heure et demie, oui. avec un graphisme particulier, une thématique particulière. Le film, c'est assez difficile d'en parler. Sans spoiler, parce que le film va directement dans le but, parce qu'il y a une double lecture. La première lecture pour les enfants qui voient ça comme un truc simple et inoffensif, tandis qu'un parent ou un adulte va voir directement la référence à l'inceste. Et ça peut mettre mal à l'aise pas mal de personnes. La première année, je suis en train de bégayer depuis tout à l'heure. Oui, la thématique est quand même assez est très très forte, mm-hmm. surtout sur une durée d'une heure et demie. D'une heure et demie, et ça n'est pas une personne. Voilà, c'est pas du genre... si on s'y connaît, c'est assez lourd et c'est assez difficile. Surtout, mais ça n'a pas empêché le film d'avoir multiples oui. récompenses quand même. Oui, oui, mais... Il a été bien accueilli par le public. Bah, je pense que c'est surtout par du fait du travail de l'auteur, parce qu'il fait quand même tout seul, ce qui, je n'ai pas précisé tout à l'heure, il fait tout seul, que ce soit le rigging, le storyboarding, l'éclairage et puis tout ce qui est la texture. Mais il y a aussi un univers que j'ai pas cité, mais... On trouve beaucoup, à la fois certains nous diront du Pixar lorsqu'on arrive vers la fin du film, mm-hmm. par rapport à la psyché du personnage qui est divisé mm-hmm. en plusieurs mm-hmm. multiples d'ailes qui sont de différentes couleurs. Certains penseront, comme j'ai dit, à Inside Out. Mais moi, je penserais plus, surtout vers la fin, et il me l'a confirmé, à une série d'animation japonaise que je pointe là. L'Epuella Magi Madoka Magica. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de Magical Girl qui a redéfini le genre. Où on passait d'un univers innocent à un univers vachement sombre. Mais surtout, j'aimerais savoir, Guillaume, qu'est-ce que tu en as pensé du film ? Alors, beaucoup de choses. Déjà, je vais rebondir sur le double niveau de lecture dont mmh. tu parlais, qui est lié, je trouve, à... Le mot qui me vient, c'est beaucoup de délicatesse mmh. dans ce film. Je pense en particulier à une séquence dont... puisqu'on en a parlé, on comprend qu'elle est une situation d'inceste mm-hmm. et qui est représentée de manière, je dirais, presque poétique, mm-hmm. Puisque le père aspire de la lumière qui sort du buste de sa fille en lui demandant de lui donner sa magie. Donc on voit bien cette capacité à présenter de manière très délicate quelque chose d'extrêmement dur, mm-hmm. sans rien retirer de la dimension dramatique du sujet. Oui, il y a du double langage, hein. Il y a tout à fait du double langage et on n'est absolument pas dans une forme
dirais-je, de version lisse de la question. Tu en as très très bien parlé, on est face à, je trouve, une grande capacité chez Bidart à mixer des références, alors que ce soit du côté de l'animation japonaise, bien sûr, les références africaines dans les vêtements, les accessoires, les références caribéennes, bien sûr, chez certains personnages. Et puis, j'ai beaucoup aimé, dans ce film en particulier, l'usage qu'il fait du créole. Il utilise la langue créole comme langue magique. Pour les divinités, capable, absolument, qui est capable bien de générer des sorts, ici, pour le coup, positif, pour répondre bien... Oui, parce que la plupart du temps, les dialogues sont en anglais. Absolument. Les dialogues sont en anglais, et effectivement, il y a des incursions créoles à des moments précis dans de la tension qui amène, ou qui sont le résultat d'une tension, on va dire, dramatique. Et à un moment, donc voilà, le créole se substitue à l'anglais. Absolument. Bah, c'est une revendication pour le réalisateur qui veut valoriser la langue créole. C'est totalement assumé. Mais il est vrai que ça amène à notre question. Est-ce qu'on a besoin de l'anglais pour exporter nos films à nous, quoi ? Alors c'est une question qu'on va poser à tout de suite à IB. Justement, le film, est-ce qu'il est beaucoup plus facile de pouvoir exporter des films, vous qui distribuez des films, lorsqu'ils sont en anglais ? Bah déjà, bon, malheureusement, je n'ai pas vu le film en question, mais je l'avais repéré dans le catalogue d'un festival de cinéma qui est à Paris, la Nollywood Week. Donc du coup, déjà, c'est un catalogue, c'est un festival qui effectivement tourne en tout cas son regard vers les films qui normalement viennent du Nigeria, mais en tout cas va plutôt aller chercher du côté de l'Afrique de l'Est anglophone. Et donc du coup, que le film y soit, il y a effectivement ça va le mettre en tout cas dans un rayonnement qui effectivement sera autre. Et nous, en tout cas chez Soudou Connection, tous nos films sont en langue originale. Donc, en fait, originale. Ouais, on encourage les festivals et les télés aussi à prendre les films en version originale et à ne pas les doubler. Mais c'est sûr que c'est une question, du coup, face à laquelle nous, comme on travaille principalement avec des festivals, c'est une question face à laquelle on ne se retrouve pas, en tout cas, on ne se retrouve pas bloqué. Je n'ai jamais eu affaire, en tout cas, à un festival qui ait pu me dire, parce que le film n'est pas doublé, il ne sera pas pris. Là où on peut effectivement avoir des questions, c'est plus quand nous, on va travailler avec des pays hispanophones, parce que, par exemple, tous nos films sont au minimum français-anglais. Et quand on va se retrouver dans des pays hispanophones qui ont effectivement aussi des communautés noires, et que là, nous n'avons pas de sous-titres espagnols. Donc voilà, c'est la question du sous-titre qui va se poser. Mais après, c'est aussi une question qui se pose par ailleurs, parce que des fois, il y a des festivals qui vont vouloir diffuser des films dans des zones plus rurales. Oui. Et là, la question du doublage est primordiale pour les gens qui ne pourraient pas lire, en fait, dans une certaine langue ou dans une autre. Et, mais dans des... Par exemple, si on prend sur le cas du continent africain, il y a plein de dialectes au-delà... Oui. Enfin, plein de langues, pardon, au-delà des langues françaises, anglaises, portugais, arabophones, exactement. Et donc du coup, ce n'est pas un frein en termes de distribution, mais c'est une question qui se pose, surtout qu'il y a des chaînes de télé qui, par exemple, elles vont avoir des quotas de langues parlées. D'accord. Donc, voilà. Donc du coup, ça peut bloquer pour des achats télé dans certains cas. D'accord. Alors, comme je disais précédemment, au début de cette émission, donc IB Endow, donc vous êtes distributrice chez Soudou Connection. On va brosser un petit peu votre parcours. Donc, vous débutez comme animatrice socioculturelle. Voilà. Vous êtes chargée de mission éducation et cinéma. Je pense qu'il y aura de la résonance pour votre destination finale. On va dire ça comme ça, professionnel en tout cas. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en études cinématographiques et audiovisuelles. Vous avez essentiellement travaillé et penché sur un thème qui est d'actualité et qui m'a interpellé, qui est sur la recherche, c'est un terme de recherche sur la démocratisation d'Internet à la délinéarisation des contenus audiovisuels et ses enjeux économiques. Alors on va expliquer un petit peu ce que ça veut dire pour nos téléspectateurs. Ah, c'est une grande question. Une grande question. En plus, la maîtrise, ça commence à remonter un peu. Mais les questions sur lesquelles, donc c'était à Paris 3 que j'ai fait ce sujet de mémoire, et c'était sur l'évolution de comment est-ce qu'on regarde
aujourd'hui le cinéma, la série télé, parce que du coup, justement, il y a le mot contenu. Donc, contenu, c'est, ça englobe aujourd'hui plein de choses, allant du coup des films aux séries télé. Et j'avais travaillé sur l'évolution des médiums, en commençant par la télé qu'on retrouvait au sein de la famille, qui était un moment qu'on regardait tous ensemble, et de son évolution jusqu'à aujourd'hui, la délinéarisation des contenus, à savoir du coup cette émission par exemple qu'on peut regarder quand elle sera diffusée directement à la télé, mais directement qu'on peut... sur Canal+ et aussi sur les réseaux exactement. Sociaux. Exactement, et que donc du coup on peut rattraper sans problème au moment qui nous semble le plus opportun, le opportun et important, alors qu'avant si on ratait Hélène et les garçons, bah, on avait raté c'était Hélène raté. Et les garçons, et voilà. Et c'était sauf si on avait eu. Il y a pas la notion de replay déjà. Voilà, c'est ça. Sauf si on a eu la bonne idée d'avoir un enregistreur. Et donc du coup, ça crée un rapport aussi à l'instant, mais aussi au visionnage collectif, qui est complètement différent de devoir tous regarder quelque chose à un moment donné, de devoir le regarder à un autre moment, ce qui crée aussi un peu de chamboulement dans la chronologie des médias en oui, France tout à fait. Aussi. Au cinéma, oui, tout à fait. On le voit récemment avec le cas Disney qui refuse de sortir le film en salle et préfère le sortir sur ses plateformes, ce qui crée... Et ce qui était déjà le cas de Netflix, quand Netflix était arrivé en France, qui avait Netflix France, c'était la question que se posait le CNC, c'était mais il y a du coup un problème dans la chronologie des médias, parce que Netflix finance certains films, veut les avoir directement sur sa plateforme, sans qu'ils aillent en salle, sauf que le CNC, lui, avait financé certains des films, donc du coup, il y perdait, voilà, et donc du coup... Voilà, alors on va regarder un petit magnéto qui nous a été préparé sur l'actualité de Soudou Connexion Magnéto. Voilà, donc nous sommes toujours avec IB Ndao de Soudou Connexion. Donc Soudou Connexion est connu en Guadeloupe pour avoir repéré et distribué deux films que l'on connaît parfaitement bien ici, notamment Timounao, qui a été réalisé par Nelson Foy et produit par Zion Film. Donc, un film qui a eu beaucoup de récompenses. Voilà. Et Dubout, un autre film, Dubout, écrit et réalisé par Pierre Le Gall et Sarah Maléon. Donc, alors, ma question, j'ai envie de dire, comment s'est faite la rencontre avec ces réalisateurs, avec ces productions? Pour Dubout, c'est un film qui est très cher à mon cœur, parce que c'est le premier film dont je me suis occupée de l'acquisition quand je suis arrivée chez Soudou. Et il nous avait été soumis directement par les producteurs. Du coup Don Quichotte, qui sont des producteurs basés à Paris, qui font beaucoup de courts-métrages. Et donc, ils connaissaient le travail de Soudou et en fait ils nous ont abordé, ils nous ont présenté le film et du coup moi j'ai eu un coup de cœur sur Dubout, sur le traitement de sujets très propres à la vie d'adulte mais qui sont imprégnés de magie, de fantaisie et avec une image que je trouvais très belle et qui était très poétique tout en étant très fort. Et donc voilà, donc dans ce genre de cas nous on travaille avec les producteurs à moins que ce soit une autoproduction et dans ce cas-là on travaille avec les réalisateurs et réalisatrices. Et pour Timounao, Claire Diao, la fondatrice de Soudou Connexion, connaissait déjà le travail de Nelson qui nous avait envoyé ses précédents courts-métrages. D'accord. Et quand on a reçu celui-ci c'était pareil, c'était aussi une envie depuis longtemps de travailler avec Nelson et donc la collaboration s'est faite avec Zion Film et voilà. D'accord. Donc vous êtes aussi présent sur près de 500 festivals, j'ai vu en tout cas en 2021, c'était une riche année malgré le confinement, le Covid. Vous êtes distribué dans pratiquement 197 festivals à peu près de 200 festivals. Quels sont les critères de sélection des films? Bon, déjà je pense qu'il faut les aimer, mais en dehors de cela...
Ah bah, qu'il soit africain ou afro-diasporique, c'est le, oui. C'est le principal. C'est le premier critère. Ouais, c'est le premier critère. Ouais. Okay. Faut que l'équipe du film, a, au moins à la réalisation, soit effectivement d'Afrique ou de sa diaspora. On reçoit plein de films de gens qui sont pas d'Afrique ou de leur diaspora, mais qui vont filmer sur. D'accord. Et nous, c'est pas. C'est, je pense qu'il y a d'autres sociétés de distribution de films qui seront très amènes de les accompagner. Mais nous, ce qu'on tenait à faire chez Soudou, c'est effectivement de permettre à certains acteurs, réalisateurs, producteurs qui des fois sont plus éloignés des circuits traditionnels de distribution, de les emmener vers ça. Et nous, là où aujourd'hui est vraiment effectivement notre cœur de métier, c'est la circulation en festival, avec toute une stratégie en fonction de la période à laquelle on acquiert le film. Donc par exemple, Timunao a aussi fait sa première mondiale à Trinidad et Tobago, comme Opal. Et donc, comme c'était c'est film... Vous, qui vous êtes occupé de l'inscription au festival. Oui, on s'est occupé de toute la stratégie. Okay. Donc, comme c'était un film qui, effectivement, n'avait eu que des premières techniques, il pouvait encore prétendre à une première mondiale, donc à des festivals comme Cannes, Berlin, Sundance. Mm-hmm. Et donc là, en fonction des envies de Nelson, en fonction de là où on peut inscrire le film, parce que, par exemple, le film fait 28 minutes, donc c'est long. Pour un court-métrage. C'est long pour un court-métrage. Ouais, c'est long pour un court-métrage. Selon les festivals. Oui, mais généralement pour des festivals de court-métrage, c'est long. C'est long. Ouais, une bonne durée, c'est entre 15 et 23. D'accord. Au-delà, ça commence. Et 28, on est vraiment proche du 30, donc on bascule selon certains. Dans une autre catégorie. Dans une catégorie moyen-métrage. La catégorie moyen-métrage est d'autant plus compliquée parce qu'il y a des festivals qui vont faire du court, du long, et il n'y aura pas de moyen. Et après, d'accord. Effectivement, il y a des. Festival spécialisé dans le moyen métrage. Mais donc voilà, on a fait toute la stratégie pour Timunao, mais par exemple, Dubout avait déjà circulé. Donc Dubout, ça a plus été de le faire voyager sur le continent, par exemple, africain, parce que lui avait beaucoup voyagé dans les Antilles, en France. Et donc nous, on a plus voulu aller sur des territoires où il avait moins été. Et puisque du coup, c'est important aussi pour nous de faire des liens avec la diaspora, avec le continent, entre les différentes diasporas. Donc voilà, c'était deux travails différents sur les deux films. D'accord, très bien. Alors nous, il faut qu'on mange, à ce qui paraît. Donc, pub, voilà. Pub, bon appétit si vous êtes à table. Apparemment une coupure pub qui fait bien rigoler notre ami Régis. Voilà, donc nous sommes toujours donc dans Paquet de Cinéma, OPS, l'émission qui parle de tous les cinémas, avec notre invité ce soir, Ibi Ndao de Soudou Connexion. Et là, nous allons parler d'un film que va nous présenter Axel, un film distribué par Soudou Connexion, un film d'animation.
et qui s'appelle Mofiala, pardon, un film qui a été réalisé par un jeune réalisateur togolais et qui est sorti en 2020, Axel. Oui, effectivement. Alors Mofiala, pour raconter l'histoire rapidement, ça se passe dans un petit village quelque part en Afrique. Mmh. Et c'est une mère qui, malgré l'interdiction de son mari et du village en général, décide d'envoyer sa fille à l'école. Et il s'avère que ça sera peut-être la meilleure décision qui a été prise et qui permettra... Bon, sans spoiler, je vais essayer de ne pas spoiler. Mais, c'est un pitch, hein. Oui, qui sauvera peut-être le village, voilà. On dira ça comme ça. Donc, c'est un moyen, du coup. 26 minutes, donc c'est un court-métrage. Court-métrage proche du moyen. Et du coup, nous allons lancer tout de suite la bande-annonce suivie de l'interview du réalisateur. Voilà. Ah, elle est. Je n'ai pas vu Mofiala aujourd'hui. Elle est où? Je l'ai envoyée. Envoyée? Où ça? En ville. Ma fille de 5 ans, tu l'as envoyée en ville? Pour faire quoi? Sans mon consentement? Je l'ai envoyée à l'école. Tu as fait quoi? Ok. Dis-moi tout de suite où est ma fille. Ou je te découpe en morceaux, je te jure. Jamais. Même au prix de ma vie, je ne te le dirai. Tchou, tchou, tchou. Tchou, qu'est-ce que tu fais avec ça? Cette femme, cette sorcière, je vais la tuer. Je vais la tuer. Si elle ne me rend pas ma fille, je vais la tuer. De quoi parles-tu? Elle dit, hein? Elle dit qu'elle a envoyé ma fille à l'école en ville et elle refuse de me dire où elle est. Et tu es sûr d'obtenir la réponse en la tuant? Mais... Tchou! Nie ma te mario e do ya des nie ma te mawel wak mo bombena do di do nye evinge e di. Salut, moi c'est Maurice Padémou, réalisateur de films d'animation. Je suis de nationalité togolaise et je présente le film Mofiala. Mofiala, c'est un film qui parle de la scolarisation de la jeune fille. Et la raison pour laquelle j'ai tenu à faire ce film cette année, c'est que je vois que notre monde est en train d'évoluer, surtout de façon numérique, et que l'alphabétisation chez nous est encore en retard, et surtout du côté des filles. Elles, la plupart, commencent, mais elles n'achèvent jamais le cursus. Donc le film est fait pour encourager les populations, et surtout les communautés, à encourager aussi la scolarisation de la jeune fille. Ici, pour voir à travers ce film les intérêts que nos pays ont à encourager les filles à aller à l'école autant que les garçons. Voilà, donc c'était le film Mofiala, pardon, excusez-moi, réalisé par un jeune réalisateur togolais. Alors un film qui embrasse plusieurs thématiques que vous avez relevées, que tu as relevées et qui t'ont touché, Axel. Oui, donc principalement la thématique de l'éducation, ouais. À savoir que l'héroïne part faire des études et que c'est grâce à ça qu'elle devient qu'elle réussit sa vie. Et c'est peut-être quelque chose qui m'a un peu gênée dans le film, le message que j'ai relevé. En tout cas, enfin, je sais que c'est différent pour tout le monde ici, mais ce que je relève, moi, c'est l'impression qu'il faut partir pour réussir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc... C'est un petit peu la vie qui veut ça, sans reprendre la chanson des natives. du monde dans lequel on vit. Ça, je ne vais pas trop tirer ça. Justement, il faudrait peut-être penser à changer la narrative. Mmh. Mais bon, on va critiquer ce qu'on a devant les yeux et pas ce qu'on aimerait avoir. Donc, Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça m'a plu? Alors, je dirais que l'animation est très efficace. Mmh. Je sais que c'est destiné à un public enfant, familial. Donc, de ce point de vue-là, c'était très divertissant. Après, bon, de mon point de vue d'adulte, j'ai trouvé que c'était rempli de clichés. Beaucoup de clichés, un peu...
tous les sujets, les personnages. Bon, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, par contre, c'est la musique. Mm-hmm. Là, la musique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mm-hmm. Voilà. Alors, j'ai une question pour la distributrice, parce qu'elle est présente parmi nous. Comment s'est fait la sélection de ce film, où, comme je disais tout à l'heure, qui embrasse pas mal de thématiques, que l'on peut apprécier ou pas. On voit cette espèce de combat entre la modernité, un patriarcat, un peu traditionnel. Voilà, il y a la condition féminine. Quels ont été les critères pour choisir ce film ? C'est parti d'une rencontre, en fait, où Claire était au Togo, Claire Diao, donc, et a eu l'occasion de pouvoir visiter le studio de Haruka Animation, de Boris Padenou, qui donc, du coup, a monté un studio d'animation chez lui. Donc, le film se passe au Togo, en Afrique de l'Ouest. Et à la base, on devait travailler sur un autre film, mais qui s'est avéré finalement avoir déjà un distributeur. Mm-hmm. Et donc, on est resté en contact. Et quand ils ont fait Mofiala, quand Mofiala a été terminé, on avait cette envie, effectivement, de travailler avec lui, vu que son premier film n'avait circulé que très peu. Quasiment, je crois qu'il avait fait le festival Émergence, où Mofiala a aussi fait sa première mondiale, qui était un festival togolais. Mm-hmm. Et le film avait peu voyagé. Et on se disait qu'au vu du fait qu'il y a quand même peu d'animation qui émergent du continent, surtout en Afrique de l'Ouest, si on ne compte pas l'Afrique du Sud avec les gros studios, Triggerfish, etc. L'Afrique anglophone. Mais surtout l'Afrique du Sud, parce que du coup, ils ont vraiment des gros studios de production et d'animation et des séries Netflix sud-africaines. Donc du coup, voilà. Et que l'animation, c'est effectivement quelque chose qui prend du temps, qui coûte de l'argent. Et donc, on trouvait que c'était quand même important. En plus, le cinéma togolais, c'est aussi un cinéma qui est en tout cas moins connu que le cinéma sénégalais, le cinéma burkinabé. Exactement, voilà. Et donc, du coup, c'était cette volonté-là de faire voyager ce film qui a très bien voyagé sur le continent, à l'international, dans les Caraïbes aussi. Voilà. D'accord. Alors, justement, pour avoir une vision un peu globale de l'animation, Guillaume, on se rend compte qu'avec le film Opal et l'univers de d'Alain Bidard, ou même d'autres films, et ce film-là, j'ai l'impression qu'il est peut-être plus facile de parler de certaines thématiques sous forme d'animation plutôt que d'en faire une fiction à part entière. C'est un petit peu ce que tu as constaté, ou c'est une tendance générale, ou c'est particulier en fonction des régions ou de nos régions caribéennes, françaises en tout cas? Alors, dans la mesure où il y a plusieurs questions dans ta question, oui. Je vais tenter de dérouler un peu. Alors, la réflexion que je peux amener sur le début de ta question, le début de ta très longue question, c'est qu'effectivement, il me semble que l'animation est un genre dans lequel on peut certainement aborder certains sujets difficiles. Mm-hmm. On parlait de l'inceste tout à l'heure avec Opal. Oui. Des sujets historiques également difficiles. Oui. Hein, quand on prend Battle Dream Chronicle, le premier long-métrage de fiction donc d'Alain Bidard, qui remonte à 2015, qui est également un film que je conseille à tout le monde et qu'on peut trouver d'ailleurs en streaming payant sur Internet, je le rappelle. Oui. Battle Dream Chronicle est un film dans lequel il réussit à faire référence au passé esclavagiste et colonial à travers un ensemble comme ça de références. Je n'ai pas envie de trop préciser, mais c'est vraiment fait avec une grande intelligence de détour fictionnel. Mm-hmm. Et je pense que par le détour fictionnel de l'animation, ainsi que par le fait que ce ne sont pas des prises de vue réelles, on peut effectivement certainement aborder peut-être d'une manière un peu plus simple, entre guillemets. Quand je dis simple, c'est-à-dire fluide ou évidente, simpliste, bien entendu. Avec une première lecture assez évidente, en fait. Voilà, tout à fait. Certains sujets difficiles. Alors, dans l'animation au niveau des Antilles françaises, il y a Alain Bidard, bien entendu. Mmh. Je cite rapidement également Guillaume Laurin en moyen-métrage avec Vanny. Un point qui est intéressant aussi du côté de l'animation, c'est que ça nous permet d'aller aussi vers une forme de réalisme merveilleux. On voit qu'on est quand même pas mal dans des films qui jouent avec des références du magico-religieux, local, antillais, au sens caribéen, large du terme. C'est intéressant parce que le cinéma antillais, de prise de vue réelle, a eu des velléités
comme ça, de, j'ai envie de dire, de projection vers le réalisme merveilleux. On peut citer très rapidement Nord Plage de José Ayotte, Siméon de Zane Palsy, La fin, et pas que la fin d'ailleurs, certains extraits du film Le sang du flamboyant, qui est l'un des premiers longs métrages de fiction du cinéma antillais. Le film Zépon aussi de Gilles du Cosaque, dont on a parlé. Le film Zépon, tout à fait. Mais on voit qu'il y a une certaine difficulté à aller au bout de la démarche. Peut-être aussi parfois tout simplement par manque de moyens. Là, l'animation répond à cette possibilité d'aller vers un réalisme merveilleux qui est assez caractéristique de l'espace caribéen. Et puis, un dernier point, et Alain Bidard l'a très bien dit, c'est un genre qui permet de se projeter dans le futur. Or, le cinéma entier de prise de vue réelle se préoccupe très très peu du futur. C'est un cinéma fondamentalement axé sur la question du passé historique. Et je finis sur une information importante. Je tiens à rappeler que le premier long métrage d'animation intégralement en 3D en France, le premier long métrage français intégralement en 3D, a été réalisé par un réalisateur martiniquais, Chris Delaporte. Okay. Avec en co-réalisation un certain Pascal Pinon. Donc il y avait déjà eu cette, j'ai envie de dire, cette explosion là, et ça remonte au début des années 2000, c'était 2003. Très bien. Alors il y a aussi, avant de conclure cette émission par les recommandations, il y a aussi, on a aussi des tentatives en télévision avec des séries animées comme celle que tout le monde connaît depuis à peu près un an, qui s'appelle Ansel Manger Cochon. Voilà. Oui, la série de Ridla fait par, je ne me rappelle plus le studio, donc je ne vais pas le citer. Inspiré par Fabrice Troupé. Voilà, inspiré d'une série radiophonique qui était d'abord diffusée sur Guadeloupe la Première et qui a duré de septembre 2021 à décembre, 31 décembre 2021, qui caricaturait un petit peu l'univers antillais avec les télénovelas. Mais là, on est plus ancré dans le présent. Oui, c'est vraiment dans le présent politique, mais surtout la culture, parce que c'est vraiment parodier tout notre aspect galette affaire et puis manger cochon, les relations et puis ce genre de trucs. Mais j'ai une question, quand même, une dernière question. Vu que je t'en prie. Une dernière question à poser à notre invité. Vu qu'en ce moment, Disney et d'autres studios américains ont annoncé leur velléité de favoriser l'animation africaine, comment vous pensez vous positionner par rapport à ça? Mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on parle de favoriser l'animation africaine, qu'est-ce qu'on veut dire? On a parlé de la question de la langue. Pour des studios comme, pour des grosses plateformes qui sont des studios qui font de la production comme Disney, là, par contre, la question de la langue est primordiale, en fait, parce que Netflix est une des premières plateformes à avoir montré que les séries sous-titrées pouvaient marcher. Mais pour d'autres plateformes, la question de la langue restera primordiale. Et du coup, il y aura effectivement un élan fort vers l'Afrique du Sud, qui a déjà des structures qui sont en place, en fait. Et le Nigeria, un petit peu, même si leur spécialité n'est pas encore l'animation. Donc, je pense qu'il faudrait voir si ils sont prêts, effectivement, à investir, parce qu'il y a plein d'initiatives, il y a plein de studios d'animation. On l'a bien vu au FESPACO l'année dernière, il y avait une section animation avec des films qui venaient d'Afrique de l'Ouest, des films qui étaient en langue autre que les langues postcoloniales. Et donc, nous, on continuera de fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui, à savoir d'accompagner les films qui nous parlent et qui, surtout, ont besoin de soutien. En fait, si un film sort directement sur Apple TV ou à quel point est-ce qu'il a réellement besoin de circuler en festival et à quel point est-ce qu'il le peut, parce que les festivals vont, enfin il y a aussi une chronologie en festival. Si le film est déjà disponible sur des plateformes, ce sera plus compliqué d'avoir une circulation en festival par derrière. Alors mais tu parlais de structure de studios d'animation, on est plus pour l'instant sur des modèles comme celui de Boris, c'est-à-dire des studios à la maison, ou vraiment des associations de professionnels qui se structurent dans un bâtiment avec des fonds verts,
des tonnes. Enfin, bon, Pour ceux que je connais, ça reste des petites structures qui ressemblent plus à ce que fait Haruka Animation, effectivement. Même si on a aussi FX Brown qui est au Ghana, qui se professionnalise aussi, qui d'ailleurs vient de. Enfin, a une grosse actualité, puisque lui vient d'intégrer le comité de sélection pour l'animation, justement. Donc, ça, ça va être assez important. Mais ça reste. De ceux avec lesquels on travaille. Après, je ne peux pas me permettre d'avoir un regard sur tout ce qui se fait sur tout ce qui se fait sur le continent. C'est 54 pays, c'est beaucoup. Non, mais c'est un regard bienveillant, en tout cas. Mais ça, pour l'instant, en tout cas, nous, les différents studios avec lesquels on travaille sont des plus petits studios qui sont effectivement plus sur le modèle de Haruka, ou des personnes en autoproduction, comme notre dernier film d'animation, qui là est un film malien, mais dont la réalisatrice habite en Islande, On the Surface de Fan Sissoko. Voilà, donc en tout cas merci pour toutes ces informations, merci à IB Endow de nous avoir accompagnés pendant cette émission. On conclut avec les recommandations. En fait c'est ma recommandation. C'est ma recommandation. Donc voilà, bon, voilà. Bon, je vais me lancer. Donc en fait moi, donc pour ce que je peux recommander aux téléspectateurs, en fait, c'est que on célèbre pendant ces grandes vacances juillet-août les 31 ans de la sortie d'un film qui va parler à tout le monde, qui s'appelle Boys in the Wood, qui était le premier film de John Singleton. Et un film qui a ouvert la voie à tout un genre, les hoodies, les hood movies, c'est ça, oui. Les hood movies, les films qui se passent dans les quartiers, pas les films de gangsters, mais les films qui se passent dans le quartier, qui dépeignent la réalité de ces quartiers. Mais c'est aussi le premier gros film à succès de Ice Cube. Je l'ai pas. Oui. Oui, Ice Cube qui l'a fait cartonner, quoi. Oui, Ice Cube qui à la même époque était dans. Non, il venait. Il venait de quitter NWA pour se lancer en solo. Ouais. Donc voilà, donc avec la musique, le thème musical fait par l'immense Stanley Clark. Donc voilà. Donc je vous recommande ce film, un film à voir et à revoir. Je pense que tout le monde est d'accord sur le plateau, Guillaume. Oui. Absolument. Non, je n'ai vraiment rien à ajouter. C'est un film que j'ai eu l'occasion de revoir il n'y a pas très longtemps et qui, je trouve, garde une certaine modernité. Oui. Et pour revenir rapidement à l'animation, je voulais quand même souligner qu'on peut espérer un développement des choses dans notre espace, hein, par rapport à l'école Parallèle 14 en Martinique, co-créée par Saïdou Bernabé et Johan Pavadé. Et pour donner le titre du fameux film, le premier intégralement en 3D, du côté de la France, par le réalisateur martiniquais, c'était Kaena, la prophétie, qui est un film particulièrement connu au niveau national et international. Mais voilà. Donc, on conclut sur ce film à voir ou à revoir, à découvrir. Donc voilà, OPS, c'est terminé. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Axel pour ses lumières. Merci à IB Endow d'être venu dans notre émission. Pardon, excusez-moi. Merci à Guillaume pour son éclairage, son éclairage cinématographique. Merci à Régis. Merci Régis. De rien. Maintenant tu peux boire ton café. Et merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Donc Romain, à la préparation Romain, le décor de Christine Blombou, la lumière de Solène Van Goot, Cédric Frémont pour les magnétos, Jean-François Torrent pour le générique, Steve Lancastre et Séverine Gims pour la production. Yannick Rosine à la réalisation et les équipes de Canal 10 pour la technique. Donc voilà, vous pouvez retrouver OPS en paquet de cinéma sur tous les réseaux sociaux, enfin nos réseaux en tout cas, YouTube, Facebook et Instagram. Et on se retrouve dans 15 jours, même heure, même antenne. Au revoir. Ciao, ciao.